c'est un nouveau standard de vie pour les marsouins de la compagnie d'éclairage et d'appui. Des chambres limitées à 4 personnes maximum et des cuisines communes. Au deuxième RIMA, le confort des soldats est devenu une vraie priorité. Quand on engage une compagnie, quand on engage un régiment, il faut aussi que nos soldats puissent avoir les meilleures conditions. Ça fait partie de ce qu'on leur doit pour que leur famille, qui nous les laisse pendant un certain temps, sache qu'on est très attentif à leur vie dans le régiment. Un investissement à hauteur de 7 600 000 euros qui s'inscrit dans le cadre du plan hébergement du ministère des Armées. Le bâtiment est aussi équipé de panneaux photovoltaïques qui assurent l'alimentation en électricité. Les passoires thermiques que nous souhaitons rénover dans le civil doivent aussi l'être pour nos soldats. Donc c'est une belle réalisation, nous en sommes très fiers et nous allons continuer pour faire en sorte aussi que chacun retrouve un lieu de vie agréable. Début juin, la compagnie quittera ses nouveaux quartiers, direction le Niger, pour une opération de lutte contre le terrorisme.